Salut, c'est Claire, bienvenue au Far West. Je suis avec Ronan et on va pouponner sévère. Bonjour, je m'appelle Ronan et je suis papa d'un petit enfant, Paolo. Je vais parler des couches lavables. Alors, on s'est mis aux couches lavables tout simplement pour réduire nos déchets. Un jour, j'ai appris que sur la totalité du temps dans lequel un bébé met des couches, ça représente un volume d'une chambre d'enfant. Quand j'ai visualisé ça, je me suis dit que là, il fallait absolument aller vers les couches lavables. Ça m'a complètement convaincu. Et aussi pour raison économique, parce que ça coûte moitié moins cher sur la durée. Et puis aussi, les couches classiques sont souvent pleines de produits dont on ne sait pas forcément trop l'origine et la nocivité. La couche lavable, elle est composée de plusieurs éléments. La couche est en tissu, dans laquelle on met une serviette en tissu, puis un film qui est lui aussi lavable, si c'est juste de l'urine. Par contre, si c'est la grosse commission, il n'y a que cette partie-là qui va à la poubelle, et tout le reste se lave. Et il y a une surcouche qui permet de rendre le tout imperméable, donc ça fait un gros cul. Je me souviens que la première fois où je l'ai fait, je me suis dit mais ça va me prendre un temps fou. Et puis très rapidement, j'ai vu en fait que comme beaucoup de gestes du quotidien, une fois qu'on les a acquis, on sait même plus combien de temps ça nous prend, c'est juste que c'est ce geste-là. Il est même plus question de changer. Alors les couches, on nous en a donné, on en a acheté sur le bon coin et on va acheter des couches neuves. On s'est rendu compte qu'il en fallait beaucoup. On en a, je pense, une trentaine ou une quarantaine. Les couches prennent un certain temps à sécher. On n'a pas de sèche-linge, donc il nous fallait un stock suffisant. On fait à peu près une lessive tous les 2 ou 3 jours. Je pense qu'on utilise 5-6 couches par jour, peut-être moins maintenant. Au tout début, c'était à peu près ça, c'était une couche à peu près tous les 2 heures. C'est parce que c'était fatigant la nuit de remettre des couches qu'on a décidé d'aller sur des couches jetables la nuit. La crèche a accepté qu'on fasse les couches lavables, donc eux aussi, c'est le fond. Les avantages, c'est qu'on réduit nos déchets, donc par rapport à ce qui nous a fait choisir ça, on en est toujours convaincu. Autre avantage, c'est que ça déborde moins que d'autres couches. C'est aussi quelque chose qui économiquement est moins cher. Les inconvénients, alors ça fait un gros queue bébé, donc il faut quand même des pantalons qui s'adaptent. Je sais pas si c'est un inconvénient, mais ça demande d'être bien organisé entre les seaux à couches, les machines et le temps de séchage. Et il y a aussi un autre inconvénient, c'est que les surcouches, à un moment donné, il y a une certaine usure. La prochaine idée zéro déchet, c'est une idée que j'ai découverte à travers les vidéos de Claire. Les lingettes en remplacement du papier toilette. Finalement, on le fait pour Paolo, pourquoi pas pour nous.